Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Pour ce mois-ci, en carte tendance, nous avons la carte de la longue vue. On vous invite à mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, pour voir les choses de façon plus limpide, plus claire. Votre intuition, à mon avis, vous souffle des messages et eh bien vous ne l'écoutez peut-être pas assez. Et c'est ce qui vous permettrait justement de voir les choses de façon, de manière plus éclairée. On voit avec ce dos de deck qu'il y a des choses qui vous lassent, qui vous ennuient. C'est la routine, c'est plan-plan, il n'y a plus rien qui vous attire. C'est un peu le début de la fin, le 4 de coupe, hein. C'est le fait justement d'être un petit peu dans une spirale routinière où il n'y a rien qui vous fait vibrer. Et tellement peut-être omnubilé par ces choses qui ne vous apportent plus rien que vous pourriez peut-être en rater une opportunité, une proposition, une occasion. Dans votre état d'esprit, pour ce mois-ci, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que vous êtes fatigué. Il y a bien des choses qui vous ont épuisé, qui vous ont éreinté. Il y a bien des choses qui vous demandent de fournir des efforts. On nous dit là que c'est vraiment bientôt la fin de l'épreuve. On a un dernier coup de collier à donner, tout en vous préservant, tout en posant vos barrières, en fixant vos limites. Mais il ne faut pas lâcher le terrain. Il ne faut pas lâcher les choses si près du but. Dans très peu de temps, vous allez pouvoir vous libérer justement de ce qui vous fait suer, de ce qui vous pèse, de ce qui vous plombe et de ce qui vous fatigue, ce qui vous éreinte. Pour ça, il va falloir quand même, ce sera d'ailleurs votre challenge, le défi du mois, c'est justement de ne pas rester en mode bah, « j'attends et je vois ». Quoi. Tempérance, c'est la modération, c'est le fait de trouver l'équilibre, de peser le pour, le contre, de faire les choses de façon douce, claire, enfin d'être gentil. Et là, si vous restez comme ça, bah, ça ne va pas bouger. Il va falloir sortir un petit peu de votre gentillesse, de votre façon de voir les choses en essayant d'arrondir les angles à tout le monde pour pouvoir faire avancer vos projets et mettre justement un focus, une longue vue sur ce que vous voulez voir avancer. Ce qui va vous porter, ce qui va vous éclairer, c'est justement le fait que vous allez voir clair. Avec le 8 d'épée, normalement, ce sont les pensées limitantes. Ce sont le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, qu'on n'a pas la force, qu'on n'a pas les bonnes idées, qu'on n'a pas les bonnes actions. Mais là, vous l'avez en force. Donc, c'est justement ce qui va vous permettre d'y voir clair. Votre intuition, réceptivité va s'éclairer et va vous permettre de percevoir les choses et de pouvoir y voir clair par rapport à toutes ces choses qui vous lassent, qui vous ennuient, qui vous empêchent d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez. Il y a un dernier coup de collier à donner, à y aller, quoi. Ne peut-être pas être trop dans la gentillesse, à sortir, je ne vais pas dire de vos gonds, mais en tout cas, n'hésitez pas à forcer les choses, à écouter vos ressentis, à écouter vos émotions, vous verrez que vous allez y voir plus clair. Et oui, vous êtes capable, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est chouette, c'est le retour à l'équilibre, c'est le petit coup de pouce de l'univers, c'est le fait justement d'avoir des opportunités qui vont un peu arriver ou des communications qui vont arriver un peu en rafale et qui vont vous permettre de saisir quelque chose, une opportunité pour faire avancer vos idées, vos relations, vos envies, vos émotions. Il y a bien des choses qui vont vous dire que les blocages, les retards, les obstacles, c'est maintenant derrière vous. Là, c'est place à l'avancement. Vous allez pouvoir vous projeter si vous écoutez vos ressentis, vos émotions et que vous prenez les choses en main. Le dernier coup de collier, n'oubliez pas. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a le page de pentacle. Et le page de pentacle dans les finances, c'est très chouette. C'est de la bonne nouvelle, justement. De la bonne nouvelle financière pour certains d'entre vous. Quelque chose qui va vous permettre de faire avancer vos projets. Alors, c'est quelque chose qui peut vous apporter un plus au quotidien. Ça va vous apporter plus de confort. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir une nouvelle opportunité, de changer de travail, d'avoir une activité en plus, de repartir en formation, de changer quelque chose au niveau du quotidien concret, matériel, financier, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du plus au quotidien. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on a le 2 de coupe, donc on a là une proposition, un accord, un rendez-vous, on voit du monde, il y aura certainement un choix à faire par rapport à tout ça.
vous aurez les idées claires, justement, vous saurez que il n'y a rien qui puisse vous limiter. Alors, c'est sûr que ça va demander un coup de collier, ça va vous demander du travail, ça va vous demander d'être en mode guerrier, de ne pas vous laisser faire, mais de poser aussi vos limites et de fixer vos barrières, mais de vraiment pouvoir partir sur une autre activité, une nouvelle proposition, une nouvelle amitié, un nouveau contrat. Enfin, il y a bien quelque chose qui se met en place. Si tant est que vous écoutez votre intuition, vos émotions, vos ressentis, vous irez dans la bonne direction. Donc pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, relations, on a bien vu que la communication se remettait en route, que les embûches, les obstacles, les retards, c'est maintenant derrière vous. Il y aura un petit coup de pouce de l'univers par rapport à tout cela. Et on voit bien qu'il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, des choses qui reviennent vers vous, qui vont permettre justement de trancher, décider, récolter. Il y a des nouvelles assez rapides qui vont permettre d'arrêter quelque chose, qui vont vraiment... une nouvelle qui va tomber de façon assez soudaine. On l'a vu hein, avec ce 8 de bâton, c'est des communications rapides, des choses que vous ne voyez peut-être pas arriver et qui va débloquer une situation qui jusque-là peut-être était un petit peu statique ou parsemée d'embûches, de retards, de contraintes. Bon, bah là, ça va se remettre en route. N'oubliez pas que le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, c'est de la bonne opportunité financière, de la bonne nouvelle qui va vous apporter plus de confort. Pour d'autres, ça va être la possibilité de changer d'activité, de job, de changer quelque chose dans votre vie, mais qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Des discussions, des échanges concernant un contrat, une union, un accord, un engagement, quelque chose qui prend fin, qui arrive à son terme, qui se clôture pour laisser place à du renouveau. Il y a encore une fois quelque chose qui va être tranché, décidé de façon assez claire, nette et rapide, qui va vous permettre de récolter plus de bonus, plus de confort, quelque chose qui va vous permettre d'aller dans le bon sens. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, le 2 de coupe, donc une proposition, un accord, un rendez-vous, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, on l'a là, l'engagement juste à côté. On parle bien d'abondance, d'abondance au niveau d'un projet, au niveau des finances, au niveau d'un travail par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. On l'a par deux fois, la tour, elle est ici, elle est là. Donc un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre, ou un lieu où vous allez vous rendre, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui va permettre de clôturer un cycle, qui va permettre d'aller vers du renouveau et qui va aller complètement vers ce que vous souhaitez. On voit bien d'ailleurs que vous allez retrouver de la stabilité, de l'ancrage, que vous allez atteindre un objectif par rapport peut-être justement à vos activités professionnelles ou familiales. En tout cas, vous en aurez des nouvelles de la visite ou des déplacements et ça va mettre fin, je vous l'ai dit tout à l'heure, à une situation qui a été pénible. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Alors ça peut être vraiment en rapport avec du financier, on a vu qu'il y avait une opportunité, ça peut être par rapport à un patron. On voit bien qu'il y a des rendez-vous avec un organisme, avec un patron, avec une entreprise, pour aller vers quelque chose de stable. Il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, la guérison, du bien-être et une progression graduelle. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Bon mois de décembre!